Yep tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Minecraft entre guillemets tuto. Voilà, c'est la playlist que je l'appelais comme ça. Aujourd'hui on va faire un petit système que même ceux qui sont nuls en redstone peuvent le faire. Bon, comme vous pouvez voir, je suis avec les blocs de la 1.16 parce que enfin la mise à jour est arrivée et enfin ça fait plaisir. Donc du coup, aujourd'hui pour ce petit système tout sympathique, donc de toute façon on aura besoin de poudre de redstone, de torches de redstone, de crochets, de fil, de piston collant, bloc, n'importe quel bloc, voilà, ce que vous verrez pourquoi, et de répéteur pour ceux qui veulent faire une grande étendue dans le circuit. Voilà, voilà. Donc moi je vais faire par exemple un sol à... Allez, à 1 de hauteur, ça suffira. Tac, tac, voilà, des blocs de la 1.16, bon c'est pas beau comme ça, on va remettre comme ça, comme si, comme ça, voilà, donc là vous avez votre chemin, voilà, vous êtes très bien. Donc ici, hop, on a le mur là qui va être comme ça, voilà. Ça vous pouvez casser le mur, du coup. Vous le faites entre guillemets de 2 de hauteur, voilà. Donc là par exemple, c'est vraiment... merde, il n'y a pas le son, désolé. Ce petit système bien sympathique va vous faciliter la vie entre guillemets. Alors, oh ça fait bizarre, j'avais jamais entendu le bruit quand on pose des blocs carmin. Donc ici vous allez mettre un bloc plus un là comme ça, voilà, vous allez refermer ici, là voilà, vous laissez comme ça, ici vous mettez, un comme ça, voilà. Donc, maintenant vous allez prendre les crochets tout simplement et vous allez en mettre un là, voilà, c'est juste sur le bloc là, sur cette face là, et ici c'est au fond là, bah, vous voyez, hop là, pareil, hop, l'autre côté. Entre ces deux crochets vous allez mettre un petit fil là qui va les relier, hop. Voilà, normalement ils sont étendus et quand je veux passer dessus, ils font un tic-tac. Tic-tic. Bref, voilà, donc ici, on va essayer de récupérer le courant. Ici aussi, on va le faire descendre. Voilà. Et on va l'emmener à des pistons qui vont aller, pourquoi pas. Justement, faut que je les mette là. Donc, qui vont nous ouvrir une descente au pire. Hop, on en met deux. Voilà, on met deux pistons par exemple de chaque côté. Hop, voilà. Donc ça normalement c'est caché, voilà, on le voit pas. Et là il n'y a même pas besoin de relier, en fait on peut relier directement, mais il y aura le système d'inversement. Et oui, donc du coup on sera bien obligé. Donc je vais remonter là bien sûr. Hop, je vais faire pareil en face. Donc du coup on va mettre les blocs ici. Ici il y aura les fameux blocs. Et du coup là il y aura les pistons, voilà, voilà. Donc on met les petits pistons. Ah oui, les stylis pistons, voilà, voilà. Ici vous venez mettre du coup pour la redstone, voilà. Donc là vous avez le petit circuit. Donc maintenant on va mettre la redstone, c'est parti. Ici là moi je vais faire un inverseur, donc voilà, très vraisemblablement on met une torche là. Oh, est-ce qu'on récupère le courant là? Ok, nickel, nickel ça. Ok, nickel. Bon, bah on va faire pareil de l'autre côté, voilà, tout simplement. Il n'y a rien de tel qu'un petit... Hop, voilà. Ici, on fait le petit inverseur. Tac. En fait, la torche de redstone vous sert... Dans ce système-là, la torche de redstone vous sert, en fait, d'inverser, en fait, d'inverseur, en gros, pour le courant. Parce que... Du coup là elle reçoit rien, hop, elle reste allumée. Mais dès qu'elle va recevoir quelque chose, ça va désactiver les pistons justement pour pouvoir ouvrir en fait le passage. Voilà, tout simplement. Et du coup vous arrivez ici. Et là en fait ça se voit pas. Normalement les pistons et tout sont cachés. Voilà. Tac tac. Il y a un seul moyen de l'éviter, bien sûr. Bon, on imagine que voilà, bon ça continue là, mais bon, je vais pas continuer à l'infini. Et en fait, vous êtes là, et vous avez... Bon, là, d'accord, ok, il y a des trous quand même, ça se voit. Donc après, vous pouvez mettre d'autres trous un peu avant, voilà. C'est pour faire style... ouais, il n'y a rien, c'est bon, tu peux passer. Voilà, c'est vraiment... Bon, c'est vraiment... c'est plutôt dans la catégorie piège, mais finalement, c'est pas vraiment un piège. Vous mettez comme ça, en vrai, ça passe... bah, ça passe tranquille, en fait. Les gens se doutent pas que, bon, derrière tout ça, il y a quand même un piège, quoi. Et du coup, bah c'est très pratique. Voilà, du coup, regardez ce que ça fait. Donc du coup, bah en survie, qu'est-ce qu'on fait? Bah on passe comme ça, en général, on est en hauteur. Et du coup, normalement, on tombe dedans le trou. Voilà, c'est tout. Bon, là, je suis en train de...
Normalement, là, je suis en train de suffoquer, mais voilà. Donc, en fait, finalement, pour ceux qui connaissent le machin, et bah, après, vous pouvez mettre là directement des pistons, mais quand vous arrivez, vous voyez pas. Et puis, ah oui, et mettez des répéteurs, voilà. Donc, ça, c'est obligé. Ah, finalement, les répéteurs vont peut-être être obligatoires, les amis. Voilà, donc moi, ça s'ouvre super vite, mais si vous voulez réduire la vitesse d'ouverture, il vous suffira alors de mettre un petit répéteur. Allez, environ. Allez, 4 tics. Normalement, ça devrait pas être trop long. On va voir ça. Donc, avec 4 tics, ça donnerait quoi? Ok, 4 tics, c'est parfait. Voilà. Et donc, du coup, il vous suffira juste de mettre la même chose de l'autre côté. De faire un petit répéteur ici. Vous le branchez. Sur, merci, merci, 4 tics, vous appuyez 3 fois dessus, tout simplement. Et là, vous allez reprendre votre poudre de redstone et vous allez alimenter le tout. Voilà! Voilà pour ce petit système. Forcément, je pense qu'il y a plus compact, mais finalement, en vrai, c'est bon. On va pas se mentir, c'est un petit système bien sympathique. Si vous voulez pas qu'on rentre dans votre base, oui, mais moi, je veux rentrer en fait. Voilà, merci. Ah, ouais. Oh, le bruit. Voilà. Et donc, du coup, quand vous arrivez, boum, ça c'est pas ouvert. Et boum, et ben merde. On t'entendra que ça fait tic. Et du coup, tu feras, ah merde. Un seul moyen d'éviter, une fois que vous l'aurez vu, c'était juste de vous accroupir. Et du coup, hop, voilà. Vous tomberez pas dedans. C'est le seul moyen de s'en sortir dans ce genre de piège. Vous arrivez comme ça. Et puis même, vous arrivez en mode rapide, je sais pas. Là, vous, voilà, il suffit de vous accroupir après. Donc voilà, j'espère, voilà, c'est un petit système bien sympathique. De toute façon, c'est le système avec des crochets qui est également là, je crois, enfin là-bas. Et qui est, en vrai, il est très très sympathique. Hein, parce que là, bon, qui se... après, pour faire encore douter les gens, ce que vous pouvez mettre, c'est genre des fausses ficelles là. Mais avec de la pierre, je vous jure, c'est vraiment impossible de savoir que... Il y a un piège ici. Pardon, pourquoi c'est beaucoup plus que là-bas? Bref. Ah non, bah, je sais pas. Bref. Ah non, mais j'ai cassé mon truc, bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, en vrai, bah, voilà, on voit pas. Par exemple, vous mettez de la stone en dessous. Franchement, ça passe easy. Alors, on va mettre de la stone. Le mieux, ouais, c'est de la stone avec. Regardez, hop. Ah oui, bon bah si tu veux pas que je te mette, ça va être compliqué. Voilà, avec de la stone, regardez le fil, on le voit quasiment pas. Et c'est ce qui est exceptionnel finalement. Avec de la stone, on peut mettre n'importe quoi avec ce bloc, on le verra quasi pas. Quasiment pas. Voilà, donc du coup c'est pour ce petit système. Mais le mieux c'est avec de la stone, c'est vrai. Mais voilà, vous pouvez mettre avec n'importe quel bloc, mais le mieux c'est la stone, ça se voit le moins possible. Bon, ben voilà, ça fait une petite vidéo de ce petit système très très sympathique. Donc du coup, si on récapitule, ici, là-dedans, il y a un crochet qui est relié avec de cette poudre de redstone qui envoie, du coup, pas de courant quand on n'est pas dessus, à cette torche de redstone qui s'éteindra quand le courant, quand on s'appuiera dessus, qui envoie au piston qui les désactivera. Et c'est également la même chose de l'autre côté. En fait, c'est un effet miroir. Totalement, oui, bah totalement, c'est un miroir totalement. Voilà, donc c'est très facile à retenir. Franchement, moi, ouais, franchement, je suis content. Bon, et bah sur ce, les amis, on va se laisser là-dessus. J'espère que ce petit tuto vous aura plu sur cette petite. Voilà, hein, on va se mettre devant notre. Le système. Bien sûr, pour ceux qui auraient des systèmes à me passer, n'hésitez pas à que je les présente. Sinon, je peux vous trouver aussi des systèmes. N'hésitez pas à aller en commentaire. Je vous ferai un système, par exemple, de ferme automatique, de, je sais pas, de, allez, de canne à sucre ou quelque chose comme ça. Je vous trouverai ça forcément. Mais je créerai ça moi-même de ma façon. Mais n'hésitez surtout pas. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas, à vous abonner et à vous abonner et activer la cloche. Pourquoi j'ai dit deux fois? Je sais pas. Et puis sur ce, on se dit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Minecraft. Et puis voilà quoi déjà. Allez, ciao tout le monde!